Bonjour, Alexis Thomasian, comédien spécialisé dans le doublage. Entre autres, Martin Mystère, détective à votre service, Light Yagami dans Death Note, Fry dans Futurama, Casse-Bonbon dans Les Races Moquettes, j'étais plus jeune, mais je le fais encore aujourd'hui, le prince Zuko dans Avatar, JD dans Scrubs, plein d'autres, après je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, déjà, petite Ben 10, Cuphead, David Martinez dans Cyberpunk, voilà, j'arrête parce que, voilà. Le jeu, quel qu'il soit, la comédie, hein, le jeu d'acteur, c'est ce qui me passionne. Comment exprimer des émotions, les nuancer, sous-entendre des choses. Enfin, le texte, l'interprétation en fait, des personnages, ça c'est ma passion première. Après, il y a les voyages, tout ça. Après, c'est des choses plus lambda, mais voilà. Mais sinon, la découverte en général, que ce soit la découverte d'autres pays, d'autres humains, de plein de choses. Ouais, je suis ouvert à plein de choses. Geek, pareil, ouvert. Ouvert sur, paradoxalement, ouvert sur le monde, parce que les geeks, ils s'intéressent à plein de choses, ils touchent un peu à tout. Un geek, c'est pas forcément quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre, sur son écran. Au contraire, c'est quelqu'un qui s'ouvre à plein de cultures différentes que la sienne, parce que la geek culture, c'est mondial. Donc un geek, pour moi, ouais, ce serait quelqu'un qui est plutôt ouvert sur le monde, qui s'intéresse à plein de choses différentes. Et bon, évidemment, aux médias, aux jeux vidéo, mais aux œuvres, à ce qu'elles disent aussi, à plein de thèmes. Voilà, y a plein de geeks qui sont passionnés de ciné, de manga, d'animation, de séries, de films. Donc ça génère tellement de choses différentes. Voilà, je me suis un peu perdu dans les explications, mais voilà. Geek, c'est très vaste, en fait. De Geek Life, franchement, c'est les interactions avec les gens, voilà, c'est les discussions, c'est les rencontres, parler de personnages, de choses qui ont touché les gens, aussi, dans les persos d'animation et de films, séries que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est ces discussions-là où on va échanger, où je vais me rendre compte de ce qu'a touché les gens, de ce que ça évoque dans leur histoire personnelle parfois. Non, franchement, la Geek Life, c'est la rencontre avec le public, quoi. C'est ça qui est kiffant dans ce genre d'événement. Dernier mot, amusez-vous dans la vie.